Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque jour pour ma petite chronique positive du confinement. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager deux rendez-vous tout en douceur et tout en légèreté pour vous apporter du bien-être au niveau de la tête et puis au niveau du corps. Donc je n'ai sélectionné qu'un extrait du mot du jour de Bernard Montault qui me semble essentiel, c'est toujours l'axe de la solidarité. Il faudrait que chacun de nous passe de la dimension familiale à la dimension solidaire comme une chance à saisir pour mieux s'en sortir. Car nous sommes tous encore très loin de la dimension humanitaire envers les plus pauvres. Voilà, le mot est donné. Et maintenant, je vais vous inviter à mettre en pratique, à travers deux rendez-vous, vous allez voir, c'est très simple, comment peut prendre forme en nous la solidarité. On commence avec l'entraide personnelle du jour pour apprendre à partager. Aujourd'hui, je vais me mettre devant mon placard à vêtements et je vais faire un tri solidaire, me permettant de redonner aux plus pauvres tous les habits que je n'ai pas portés depuis 2 ans. Faites de la place dans vos placards, cela désencombrera vos têtes. Allez, on fait de la place. Et maintenant, je vais vous partager, vous allez voir, on va danser. 30 minutes de musique ininterrompue. Je danse seule, ou en famille, ou avec mon groupe Solidarité, en essayant de livrer mon corps à la danse pour interpréter la chanson. Allez, je me lance, j'exagère même, j'en fais trop, pas peur du ridicule. Ça bouge bien, ça bouge super. Encore mieux si vous dansez solidaire avec les autres. Et comme je disais à Sonia sur Radio 4 ce matin, ça me plairait bien de le faire avec un groupe d'amis, pourquoi pas sur Internet. Allez, on y va ? On danse ? Voilà, je vous souhaite une belle journée toute en légèreté et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique positive du confinement.